Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi, ça va super parce qu'on est de retour sur Resident Evil 4 Remake. Aujourd'hui, on va faire le début du DLC, une autre voix, Separate Ways en anglais, c'était dégueulasse au niveau de la prononciation, mais c'est pas grave, qui va nous permettre d'incarner Ada Wong dans une aventure parallèle par rapport à ce qu'on a fait dans le jeu de base du côté de Léon. Et donc, bah allez, ne perdons pas de temps, j'espère que ça vous plaira. Les options, on peut regarder vite fait, ça c'est good, on est bien en français, sous-titres ok. On est en framerate avec du ray tracing. Ouais, on est très très bien, let's go. Parece que me toca bailar, hermano. Qu'est-ce qui se passe? Tu danses plus? Tes préférés, je crois. Content de te voir, Ada. La torture, c'est vraiment pas mon truc. Et oui. Je te remercie. Tu sais, ces abrutis de moelle à la con ont pris tout ce que j'avais. Y compris l'ambre? Non, je suis malin. Je l'ai caché juste à temps. Ok, tu m'y emmènes? Avec plaisir. Bon, on y va. Suis-moi. Ok. C'est près d'ici? Pas exactement, mais c'est un lieu sûr. Pas d'ambre, pas de deal. On est d'accord? Oui, je sais, je sais. D'ailleurs. Eh, pep, dos minutos, mon gars, là! J'aimerais bien le savoir. Mais attends-moi! Oh, t'es pressé ou quoi, là? Ouais, ouais, ouais. Là, ici, on a un cul-de-sac. Donc, passons par cette brèche. On a de la compagnie, ils nous cherchent. On passe par le toit, d'accord? Compris. Bon voyage, Luis. Arriba y listo. Va chercher l'ambre. On se voit plus tard. Non! Attends, tu crois quand même pas que je vais laisser une demoiselle? Ok, on se retrouve à l'église. Et pas pour ton enterrement, hein?
Je ne suis pas trop d'accord pour affronter ça dès le départ. Bon, apparemment, on n'a pas trop de choix. Hop là! On s'écarte, Taillot! Allez, meurs! Merde, Crody! Meurs de décès, s'il te plaît! Ça m'arrangerait. Wow, 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 wow! On va bien s'éloigner. Yes! Pan, pan, t'es mort, meurs! Oula! Oh, monsieur! Ce sont des leurres. Je vais prendre lequel? Aïe! Ah merde! Net! On passe! On passe et on morfle. Oh là là, elle commence à galérer. Attends, mais je peux peut-être me casser, moi. Si je vais... par là. Demi-tour. Yes. Ah mais c'est pas vrai ça. On respire. On respire un grand coup. Wow, 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 wow. Ah, demi-tour. Ah. Mais punaise. Ouh, merci. J'ai plus de balles. Ouais. On est passé. Merde. Je t'avais pas vu toi. Et c'est pas la peine de revenir. Ouais, j'avoue que là, c'était un peu chaud chaud cacao, hein. Là, vas-y, fouille. Fouillada, récupère des munitions parce que là, au niveau des flingues, on n'a plus rien. Là, ici. Dans ce meuble. Non, là, c'est pas possible. Par ici, tout à fait. Là, je peux rien faire. Allez, tac. On a des balles en plus. Ici aussi. Là, c'est pour le flingue. Donc, le flingue, c'est en haut. À gauche, la mitraillette. Une fois en bas, grenade. Et encore plus bas, la grenade paralysante. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à récupérer? Tenez, en face. Écoutez tout ça. Ouais, de l'herbe verte. Là, non. Là, de ce côté-ci, je ne peux pas y aller. De ce côté-là, idem. Là, il y a deux poteries. Mais d'abord. D'abord. Ouais, non. Allez. T'en as quoi? Poudre noire. Ouais, pour se faire des munitions. Grenade. Contrôle, vous m'entendez? Louis a caché l'ambre. Je lui ai demandé d'aller le chercher. Contrôle, vous me recevez? Je t'écoute. Continue. On a eu quelques petits imprévus. Et? Qu'est-ce que tu comptes faire? Louis est déjà en route pour l'église. Je suis ses moindres déplacements. Très bien. Alors tu ferais mieux de te dépêcher. Bien sûr.
Je dois juste vérifier mon itinéraire. J'ai besoin d'une vue globale de la zone. Elle a des lentilles comme Batman ou quoi? Oh, sympa! Comment je fais là? Inspecter. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je vais par là-bas. C'est là que je dois aller. Reste sur les hauteurs. Tu sais comment faire. Attends, là. Ça a l'air dangereux. Je vais devoir faire attention. Ouais, et pas qu'un peu. De ce côté-là, ça me semble bien. À mon avis, ça va être un DLC bien porté sur l'action. C'est pas plus mal. L'objectif, l'ambre, c'est la seule chose qui compte. Mets vite la main dessus et apporte-le-moi. Non, entendu. Mais je peux peut-être faire un peu de tourisme. Je voulais voir si je vais pas rater quelque chose. Ada et son grappin, une grande histoire d'amour. Doucement. Attention. Ah oui, il faut pas que j'oublie que ça utilise de la durabilité au niveau de mon couteau. Tais-toi! Là, c'est fermé. Là, je peux monter. Et ça va attendre. Ne te retourne pas! Yes! Merde. Merde, merde, merde. Ça commence à chauffer. Faut que je m'occupe des catacombes. Bien. Attaque de mêlée au lance-grappin. Voyons ça. Non. Là, je peux descendre tout à fait, mais moi, je veux pas descendre. Je veux aller là. Vite! Attention! Oh, attends, elles sont trop belles, les explosions! Attendez, je veux revoir ça de plus près. Un petit peu plus près? Là, peut-être celle-là, c'est la bonne. Ouais. Mince. C'est bon. Et mince. Je brûle. Bouge. Allez, bouge le mur. Mais oui, t'es morte. Et toi, mon gars? Les explosions sont vraiment bien fichues. Je me rappelais pas que ça faisait aussi bien. Wow! Par là. Ouais, mais non. Bah, en fait, je viens de faire demi-tour, c'est super. Toi, tu balances pas ta hache, s'il te plaît? Ouais. Non mais franchement, ouais. Bien surpris. Hop. Allez. Fais dodo. Là, ici. Là, je peux y aller.
comment je peux aller par ici? Sauf que là, il y a que dalle. Alors attends, bouge pas. Non, c'est pas là. C'est ici. On va faire des petits mélanges. Utiliser. On peut faire ça aussi. Tri automatique. Super. Des balles de pistolet, des balles de mitraillette. Est-ce que je peux en refaire encore? Non. Ouais. Wow! Mais what? Ah mais quelle nouille, je te jure! Comment je fais pour être aussi mauvais? Broche à cheveux élégante. Attention. Faut pas que je me rate. Bouge. Ouais, attends, mais là, comment je fais? Wow! Non! Vas-y, viens là! Petit, 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 petit! Yes! Wow! Allez, chacun son tour, hein. Prenez votre temps. Oh. Donc là, de ce que j'ai vu, je peux descendre. Ouais. Ouais, SR 1903. Attends, j'ai récupéré quoi? Lunettes. Faut. Wow, mais non! Ouais, c'est bon. Vous pouvez pas arrêter de venir en continu là? Cassos? Oh, bien, 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 bien. Non, 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 non. Mais tu pouvais là? Non, c'est pas ça, c'est ça. Ouais! Vous avez vu ça un peu, ce tireur d'élite? Moi, avec un canon comme ça, je te fais du snipering de haute qualité. Hein. Il y a encore des gens qui veulent me doser? Je préfère ça. Attends, elle bouge pas. Ah, à chaque fois je me gourre. Utiliser. Là non. Attends, j'y vais. On récupère le bord. Ce qu'il y a là. C'est plutôt sympatoche hein, de progresser comme ça. Aïe. Ah quoi, il y a encore des canons? Ah ouais, là.
Non, ça le fait. Heureusement que ça va pas jusque moi, mais c'est pas loin. Sans rancune. C'est bon là, vous êtes tous morts ? Tac. Récupère un peu de monnaie. Excusez-moi. Moi, quand j'entends monnaie, je pense à David Guetta. Ah, de l'herbe rouge. On va pouvoir faire un petit mélange. Fabriquer. Tac. Par ici. Miette. Ah! J'y suis presque. Chapitre terminé. Et c'était plutôt sympa, très action, mais moi ça me dérange pas. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Bien sûr que je veux. Il m'a chargé de récupérer l'ambre. Un objet synonyme de malheur. Quelles atrocités seront commises en son nom? Et qui en paiera le prix? Parce que dans ce monde, quelqu'un paie forcément. Mieux vaut ne pas poser de questions. Ça, je l'avais compris. Je l'avais accepté. Jusqu'à ce que cette nuit à Raccoon City vienne tout changer. Je me dirige vers le point de rendez-vous avec Louis. Les Illuminados sont encore en état d'alerte. Reste sur tes gardes. Bien reçu. Terminé. L'église ne devrait pas être très loin. Ouais, en gros, on va retraverser tout ce qu'on avait traversé avec Léon, quoi. J'espère qu'on va avoir quand même des endroits inédits, hein. Là, ici. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Par ici, oui, non. À toi, la mamie. C'est quoi ce bip 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 bip? Il y a une bombe ou quoi? Bien joué. Tout pété, mais c'est pas grave, j'en ai un autre. Un autre. Ça je récupère. Ah mais je me gourre toujours. On refait un mélange. Tac, fabriquer avec ça. Il faudrait que je répare mon couteau tactique. Ouais. C'est flèche droite. Ah ouais.
Oh la vache! Ah, tu sautes de vachement haut! T'es balèze! Oula! On fait attention. Eh! Non, on va le garder! On va le garder, sait-on jamais! Tiens, lui par exemple. Je peux lui faire un petit coucou, je suis là! C'est bon, il m'a vu? Vas-y, viens. Petit, 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 petit! Eh ouais, c'est con, hein. Bague avec pierre rouge. Un petit bidon rouge là, d'accord. À mon avis, ça va nous servir. Munitions pour le flingue. Là, ici, nous avons un cul-de-sac. Tout à fait. Mais attends. Ouais, non. Allez. Voyons ce qu'il y a de l'autre côté. Ça, c'est bien évidemment. Aïe. Pousse, pousse, temps mort. Il brûle le con. Hop là! Recharge! Et merde! Arme jaune! Oh merde! Oh la vache! Punaise! Wow! Un peu plus et c'était la mort, mon gars. Attends, on va faire un mélange. Fabriquer, voilà. Et là maintenant, utiliser. Et toi, mon cochon. Super. Merde, je peux pas. Ah, c'est dommage. Tant pis, tant pis, tant pis. J'aurais bien fait demi-tour pour les finir. Je m'attendais pas à tant de monde. Je me demande ce qui les rend aussi nerveux. La fille du président. Sans aucun doute. Ouais, ça tombe plutôt mal. Considère la zone comme affectée. Tout le village est touché. J'ai lu le rapport. Je devrais m'en sortir. La voix de Walker me dit quelque chose. Elle est vachement connue. Et je sais plus qui c'est qui l'a fait, cette voix. Merde. J'aurais peut-être pas dû courir. Couteau de cuisine. Ah, munitions pour le fusil. On dit pas non à ça. Restez où vous êtes, hein. Ne venez pas là où je suis. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends des bruits. Mais ça marche pas loin. Ok. J'ai comme l'impression qu'il y a du monde, donc du coup, on va se la jouer un peu... mollo. Je peux grimper là, en cas de coup dur.
Là, je peux... Non, on va rien faire. Si, attends. Fabriquer munitions pour la mitraillette. Et là, est-ce que je peux refaire un truc? Je peux faire des munitions... Ah non, il me manque... D'accord, ok. Pour le flingue, mais c'est pas trop la peine. D'ailleurs, en parlant de ça... Hop, on recharge. Fais dodo. Poudre noire. Mais non! Ok. Venez là! Petit! Vas-y, approche, approche! Approche si tu l'oses! T'as osé. Je peux sortir là? C'est chaud, eh, bordel de shit. Léon, pourquoi ça me surprend pas? C'est gentil de t'occuper d'eux pour moi. Essayons de trouver un autre chemin jusqu'à l'église. J'aime bien ce côté où ça on peut mal, se carapater comme un gros lâche. Merci le grappin. C'est vraiment super utile. Merde. C'est quand même bien plaisant. Hein. Ça casse pas trois pattes à un serpent. Mais c'est appréciable. Oh oh. Doucement. Vite. J'arrive! Fais dodo. Oh merde, oh non. Journal d'une villageoise. La cloche a sonné aujourd'hui. Je ne l'avais pas entendue depuis bien longtemps. Elle sonne lorsque notre seigneur nous appelle. Tout le village s'est rassemblé à l'église pour l'écouter. Et blablabla, quelle sagesse, quelle compassion! Grâce à la bienveillance de notre Seigneur, nous recevrons le remède contre la folie! Vivement que la cloche sonne de nouveau. Et donc là... Non? Plus. Non. J'essaye un peu au pif et si ça marche pas, bah tant pis. Hein. Bon allez, vas-y, c'est bon. Y a pas d'indice là, quelque part? Oula, attention. C'est un indice ou pas ça? Peut-être le péter non? Non.
Ok. Donc là, nous ne pouvons pas laisser cette satanée secte faire ce qui lui chante. Donc là, on a quoi, Spinel x6? Ok, là j'ai vu. 1 sur 4. On va retourner par là-bas. Parce que regardez. Là aussi. Pas mal. Ok, suivant. Eh, on peut dé... Attends, on vient de par où nous? Non, c'est bon, on vient de par là. Tac. Tac. Voyons si il n'y a pas quelque chose par ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit médaillon bleu quelque part? Non. Bon, par contre, j'ai comme l'impression qu'on va vraiment devoir passer par la porte. Hein. Mais on n'a aucun indice. C'est un peu n'importe quoi. Là. D'accord, ok. 3 sur 4. Bingo. Ça c'est fait. Sauf qu'en fait, ça nous dit pas comment faire pour la porte, hein. Vraiment pas. Ah là, il y a des symboles. Ah mais attends. Les deux ronds là. Ça. Ah, attendez, mais oui, c'est bon. Là, regardez. Il y a un truc avec ça. On va voir. Donc là... Ça c'est sûr. Merde, attends. Ça c'est sûr. Là, ça ressemble à quoi ça? D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de correspondant? Tac. J'ai du mal à voir c'est quoi ça. Ouais, franchement là... Peut-être ça? Ah la misère. La misère. Ok, ça fait ça. Ok. Donc, ça on est d'accord. Hey! Vaut mieux tard que jamais. Bon, je ferai peut-être une coupure. Voilà l'église. Ça y est, la voilà l'église.
Me v'là arrivé à l'église, mais tiens, et si je faisais demi-tour? Et si je me cassais? Si j'abandonnais la mission? Hein? C'est fermé. C'est Léon qu'on entend? Ah, bleu velours. Bah écoute, mon petit Léon, hein, ce sera pour une prochaine fois. Le jeu ne veut pas que j'aille te venir en aide. Démerde-toi. Je crois en toi. Je sais que tu vas t'en sortir, j'ai fait le jeu de base. Je vais crever. Punaise. Merci la mitraillette, hein. Là, je me suis foutu dans la merde tout seul comme un grand en allant ici. Hey, hasta la vista. Ah, tu donnes que dalle. D'accord. Tu te montres radin le corbac. Spinel. Quand est-ce qu'on va croiser la bonne personne là pour utiliser les spinels? Il est où? Encore un faux plan. On dirait qu'il a besoin d'un coup de main. T'inquiète pas, Léon. Cette fois, c'est gratuit. Ne fais pas attendre, Louis. On vient de perdre le signal de Louis, quelque part dans les environs du village. Attends-toi au pire. C'est le territoire de Mendes, non? Sa maison est là-bas. Je peux peut-être aller y jeter un œil. Vas-y. Je vais essayer d'en savoir plus de mon côté.
J'avais pas capté que c'était au début du jeu. Moi, je pensais que ce qu'on allait faire là dans ce jeu, dans ce DLC, ce serait, je sais pas moi, vers le milieu du jeu, un truc du genre. Mais non, en fait, c'est vraiment le tout début. C'est quand Léon arrive au village. C'est vraiment le coup du sort, parce que nous, on est en train de faire notre mission et bim, t'as Léon qui est là. Ça, c'est la fille du président, ça. C'est Ashley. Ouais. Léon doit être là pour la sauver. Mais nous, non. Nous, on s'en fout. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Quoi ? Ça me sert... Eh, on entend Ashley ? On l'entend pleurer ? Mais écoute Ashley, je suis désolé, hein, mais ouais, on n'a pas été envoyé pour te sauver. Hein. Moi je suis pour descendre comme ça. Attends, mais il n'y a pas un moyen de... Non. Là, il n'y a pas d'échelle. Ouais, non, c'est mort. Bah, on aura entendu Ashley dans ce DLC. Après, il est vrai que oui, hein, nous, on n'est pas là pour elle. Nous, on est là pour récupérer l'ambre. Je les esquive. Hop. Dépêchez-vous d'aller à l'église. Soyez pas en retard. Ah mais ouais, ils me veulent pas du mal. Mais vont-ils m'attaquer aussi si je reste à côté? Je pense pas. Hein. Mais je peux tous les tuer en fait. Comment ça se passe là? Ils attendent que la porte s'ouvre. De braves petits moutons. Oh, mais tu sais ce que je vais faire? Je vais attendre qu'ils s'entassent devant la porte. Et je vais leur jeter une grenade. Non, tout le monde n'est pas encore arrivé. Oh ouais, une petite grenade bien placée là mon gars. Ça va être un véritable bain de sang. Ah ouais, il faut, tu vois, c'est gratuit hein. Enfin, ils en voulaient à Léon donc c'est un juste retour mais j'aurais pu passer à côté d'eux sans rien faire. Je tords grenade. C'est bon, il n'y a plus personne là sur le côté, non? Mais t'emballes pas, t'es tout seul. Oh, des lunettes. Super. Mais voilà. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Et en plus de ça, j'ai récupéré des lunettes. Alors, comment ça se passe, les lunettes? Y a pas un moyen de les porter? Lunettes. Ah non, mais c'est pour les vendre. On dirait les lunettes de Léon. Vous savez, Léon, le film avec Jean Reno. Ah!
Monsieur le marchand est là ! Hé, étrangère, alors qu'est-ce que t'achètes ? Drôle d'endroit pour ouvrir une boutique, étranger. Peut-être, mais on dirait que j'ai bien fait. Bien, c'est la première fois que nous faisons des affaires ensemble. Pas faux. Alors faisons en sorte de marquer le coup. Bienvenue. Bon travail. J'ai du nouveau rien que pour toi, mon ami. Vendre. Vendre. Ouais, je peux te vendre. Ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre. Bleu velours. C'est nous qui le décidons. Tac. Lunettes. Tac. Et c'est tout. Une affaire bien conclue. Acheter. Donc là, on a quoi ? On a le Punisher, la crosse de TMP, viseur. On a. Oh, le petit peu pour là, comme ça, là. Je te le promets. Offre spéciale. J'ai combien ? J'ai 41 000. Vas-y, tac. Je te l'achète. Ce petit bijou est on ne peut plus maniable. Il sera parfait pour toi. Ouais. Modifier. Modifier, réparer. 4 000. On peut améliorer la puissance, on peut améliorer surtout la résistance. On commence à bien cerner tes préférences, étrangère. Là maintenant, on peut améliorer c'est la puissance du flingue. Et je m'en voilà, sers assez souvent. Comme tu l'as demandé. Et là, ouais, ça va être chaud. Échanger. Donc là, avec les spinels, j'en ai combien ? J'en ai 7. Qu'est-ce que je peux avoir ? Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. D'accord, donc là, ok. Mallette noire, pour deux. Bracelet étincelant. Ah ouais, c'est pour y mettre des... D'accord, ok. Je vais te prendre ça, ferraille plus grand. Oh, je savais que tu choisirais ça. Et ça, c'est carte au trésor. Un choix original. Oh, dans le bon sens du terme, évidemment. Bien sûr. Elle va pas te faire tuer, hein. T'inquiète. Mallette. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je bazarde le fusil qui est là. Parce qu'il prend de la place, mais je sais pas si on a un coffre. Je ne pense pas qu'on ait de coffre. Articles étrangers. On dira des nouvelles. Dommage. Sauvegarder. Tiens. Ma mallette. Taux d'apparition de munitions de pistolet. Voilà, je préfère ça. Changer de mallette. Porte-bonheur, j'en ai pas. Coffre. Déposer. Non, c'est bon. Ce que je vais faire là, c'est ça. On va aller ici. Fabriquer avec ça. Ensuite, ça c'est pourquoi ? Examiner. Elle peut être montée sur des fusils. Ouais, chose que je n'ai pas. Envoyer au coffre. Envoyer l'objet au coffre des machines à écrire. Ensuite, est-ce que je peux faire fabriquer ? Cartouche de fusil à pompe. Ouais. Ma foi. On va re-sauvegarder. Là, ici. Et nous, les amis, bah, on va stopper ici pour aujourd'hui. La suite demain, bien évidemment. En espérant que ça vous a plu comme début d'aventure au niveau de ce DLC Separate Ways avec la petite Ada Wong hein, qui ma foi est toujours aussi jolie à regarder et aussi compétente au niveau des combats. Et en plus de ça on a ce pistolet grappin fort appréciable hein, qui nous permet d'esquiver parfois les combats et qui apporte un peu de diversité, un peu de nouveauté par rapport à ce qu'on a pu faire avec Léon. On voit que Ada est bien plus agile, bien plus féline.
Enfin bref, vous me direz ce que vous en avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous pour avoir vos retours. Si c'est pas déjà fait, eh bien n'oubliez pas avant de partir le petit pouce en l'air, le like, le partage, l'abonnement. Si vous vous abonnez bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.